résumé des épisodes précédents. Qui ose ? Les aidons de l'en prendre à moi, Ophiette. Peter Pan. La machine d'Octavius. Mais c'était Eddie Brock. Dude, Spider-Man, je ne peux pas croire que tu sois responsable de ce vol. Mais je dois vérifier. Et la question du jour est... Où est le nom ? Non ! Phase interminée. Passons à la phase. C'est Hawk ? Et l'épisode d'aujourd'hui, Spider-Man 2. Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici sur du Spider-Man. Tout simplement, Spider-Man 2, la revanche d'Electro sur PlayStation 1, première du nom. Et donc voilà, j'avais envie de faire ce jeu, tout simplement parce que j'avais envie de le faire, voilà. Pourquoi pas avoir commencé par le 1, parce que le 1, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu, je n'y ai jamais joué. Et c'est surtout cet épisode-là qui m'a marqué. Donc voilà, ça, je trouvais ça assez sympa de pouvoir faire un jeu que moi j'ai testé. Et je suis plus à l'aise dessus que sur les autres, donc voilà. Donc bon, bah, écoutez, c'est vraiment un petit jeu, enfin... plateforme action, on va dire, qui reprend super bien l'univers Marvel. Et qu'est-ce que ça fait là? Ça me fait un temps de chargement, je comprends pas. Non, la démo, on s'en fout, j'en veux pas. Ça c'est chiant quand on se fait couper par les démos, même si je peux continuer à parler. J'ai bougé. Donc voilà, alors bon, c'est un jeu, ouais, pas super long, mais bon, justement, ça va être sympa en vidéo, vous allez voir. Et vraiment très bien fait à l'époque, ça a été vraiment mon premier jeu Spider-Man à moi, donc. Et vu que je suis extrêmement fan de Marvel et de Spider-Man, tout ça, donc. Vous allez voir, il est sympa. Il y a pas les il y a pas mal d'ennemis assez originaux, quoi, plutôt, ouais, voilà. Et bon, il n'y a pas les plus connus comme dans le premier. Dans le premier, ils ont l'air plus sympas, mais il y en a des pas mal. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je vous ferai voir. Il y a plein de modes, entraînement. Alors, il y a plein de trucs, des costumes à débloquer avec des capacités spéciales et tout, des couvertures de comics et tout. Enfin, vous allez voir, ça va être sympa. Donc, on va tout simplement commencer une nouvelle partie. Et puis, c'est parti, les kiki. On arrête de blablater. Donc voilà, il y a plusieurs modes. Mais bon, on n'est pas des. On est des vrais Spider-Man, on a de l'expérience, nous on est des hommes, des vrais, on est normal, c'est tout. Et Spider-Man qui se fait toujours taper par le Daily Bugle, hein. Ah, il y en a marre, hein, le pauvre. Donc voilà, et le méchant Electro qui sera le, comme ça porte bien le nom, le méchant principal. Bienvenue, quoi. Chers amis, ici Stan Lee qui vous propose une nouvelle histoire fabuleuse de super-héros. Wow. On dirait que notre tisseur préféré s'est encore fourré dans de sales draps. Alors, préparez-vous à l'action et à quelques révélations fumantes. J'adore les voix dans Spider-Man, quoi. J'adore les voix dans Spider-Man, c'est énorme. Et voilà notre ami des X-Men, le fauve. Hé, hey, le fauve, mais qu'est-ce qui t'amène? Pas une attaque des sentinelles, j'espère. Salut, teaser. J'ai de la chance de te trouver pendant ta petite ronde. Je pensais que tu apprécierais les quelques informations que je t'apporte. Merci pour le petit coup de patte, le fauve, mais c'est mon métier et je peux m'en tirer tout seul. Eh bien, on va voir. Dis-moi d'abord de quoi il s'agit au juste.
Voilà ma fidèle Spider Boussole. Elle m'indique où aller quand je suis en mission. Je te crois sur parole. Mais toi qui es si malin, arriveras-tu à me suivre? Et donc nous voici, ça y est. Alors le premier niveau c'est plus un niveau didacticiel, mais pour commencer c'est très bien. Donc voilà un peu comment c'est fait, c'est vraiment voilà, un jeu assez graphiquement pour l'époque qui a de la gueule. Alors qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, alors pour les petits jeunes qui savent pas pourquoi Spider-Man a de la toile sous les bras là, c'est simplement pour reprendre, c'est un hommage au premier comics, parce que Spider-Man avait sans son costume, voilà, des toiles d'araignée sous ses bras qui correspondaient justement, ça pouvait l'aider quand il se balançait à mieux planer, tout ça, enfin bon, bref, c'est un petit détail plus esthétique qu'autre chose, mais voilà, ne soyez pas étonnés. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer le niveau. Je retourne, il faut que j'y retourne. Oui, voilà, là, il retourne. Alors, ça parle beaucoup, hein. Pas lancer au bout de ma toile, comme ça, je rattraperai trop sans problème. Donc voilà, bon, donc vieux jeu oblige, c'est comme, voilà, on tirait les toiles dans les nuages, hein, mais bon, ça va pas mais faire chier sur un jeu PlayStation. On s'en foutait, le fun est là. Et bon, après, ils l'ont corrigé dans les jeux PlayStation 2, enfin, Spider-Man 2 sur PlayStation 2, ils ont corrigé le truc des toiles comme ça, mais après ils l'ont remis dans des vieux, dans des nouveaux, enfin bref. On s'en fout, on va pas regarder ces détails-là, l'important c'est de s'amuser et d'être imprégné dans cet univers Marvel qui est vraiment génial. Et extrêmement bien représenté dans ces jeux. Et les voix, tout ça c'est super. Excellent, Tisseur. Moi j'ai vu ces trucs-là un peu partout en ville. Ah, une cartouche de toile. J'adore, le faux il dit ça comme si c'était trop tendance, waouh. Tac, alors bon voilà, donc voilà, comme le vrai Spider-Man et comme maintenant dans les nouveaux films qui sont... D'ailleurs moi je préfère les nouveaux que les anciens, même si j'ai adoré les anciens films là avec Tobey Maguire, tout ça. Mais si je dis pas de conneries, ça se trouve je sais même pas du tout lui le nom de l'acteur, je sais pas. Mais voilà, Spider-Man normal quoi, enfin je veux dire il a des recharges de cartouches pour l'étoile, ça sort pas naturellement. Cet immeuble a l'air éloigné, mais si je saute tout en lançant ma toile... Ah oui, t'inquiète, Spidé. Hop là. Oh, mon sens d'araignée s'affole. Ah, ça veut dire on va avoir nos premiers ennemis, ça c'est cool. Ce mec a l'air louche. À ton avis, quelle est la meilleure attitude à adopter? Appuie sur carré et rond pour donner des coups de poing ou de pied, et sur triangle pour lancer de la toile. Ok, donc pour l'instant, je suis le directiciel bêtement, après je vous ferai voir quelques mouvements qui sont... Parce qu'il y a vraiment une bonne panel de mouvements. Voilà, donc là c'est les coups classiques pour l'instant. Genre, c'est pas quelque chose là-haut. Genre de la réserve d'étoiles, non, il y a rien. Hop, donc c'est parti, on continue. Hein. C'est le premier épisode didacticiel. Pour viser ces affreux, il suffit d'enfoncer la touche L1. Ok. Bon, après ça, je m'en sers pas trop. Moi, je préfère plutôt attaquer corps à corps. Et voilà, on peut attaquer de la toile comme ça. Alors, vous allez voir, là, je vais me lâcher un peu sur les combats. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement? Boule de tout. Voilà, le tir est comme ça, il le reprend. Il y a aussi, on peut se mettre des points en toile. Non, ça, voilà. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une explosion de toile. Ensuite, il y a. Non, ça, c'est le jet classique. Comment? Alors, ça, ok. Voilà, boule de toile comme ça, et je sais plus comment. Et voilà, et les points en toile qui font plus de dégâts. Voilà toutes les combinaisons qu'on a. Et je vous dis, quand on a d'autres costumes, on peut débloquer des capacités. Chaque costume a ses capacités. Il y a un paquet de costumes, vous allez voir. De tout, on a du Spider-Man de toutes les couleurs et ça, c'est classe. On se fera plaisir sur les costumes, on en mettra pour tous les niveaux. Et on peut aussi créer ses costumes, c'est-à-dire choisir son costume avec telle et telle capacité. Mais ça, on verra plus tard. Remarquable, Spider-Man. Je parie que cela pourrait te servir. Oui, mon très cher. Ceci me redonne plus d'énergie. Alors le faux, pour ceux qui connaissent pas bien, c'est un scientifique qui voilà a fait une expérience, je crois que c'était sur lui, et qui voilà est devenu comme ça, mais il a gardé son intellect malgré sa force et son âge, c'est devenu un homme assez pas mal quand même, parce que bon, il a un physique peut-être pas le plus sexy du monde, quoique il est viril, vous allez me dire, mais au moins il a voilà une force physique, une agilité hors du commun et une superbe intelligence quoi, donc voilà, ça fait vraiment un personnage très attachant le faux. Bah du coup là je m'éloigne, c'est pas du tout là hein. Je suis revenu en arrière en fait. Donc voilà, c'est un peu, bon c'est pas vraiment des niveaux à monde ouvert, mais c'est, enfin ici il y en a quelques-uns des niveaux à monde ouvert, mais bon je veux dire c'est pas mal hein, on s'en fout, c'est pas non plus ultra dirigé. On peut aller sur d'autres tours, mais il y a rien. Il faut que j'y retourne. Oui, faut y retourner. Je blablate, je perds mon temps. Bam. tac. Non, je vais pas me coller au mur, speedé. Non. Tac. Voilà qui est curieux.
Facile. Avec le mode visé de la touche L1, je peux envoyer ma toile à l'aide de la touche R2. Facile. Bon, alors on connaît la chanson à force. C'est pas là, c'est là. Donc c'est assez pratique ça. Vous voyez, ça c'est agréable à jouer, hein, franchement. Hop là. Rien de bien compliqué. Bon, on va aller par là. Alors, on va faire tout, on va rendre le didacticiel bien pour être. Bien, vous montrer le jeu, les capacités. Un sans faute jusqu'ici. Tu y es presque, Spider-Man. Je sais, je sais. En même temps, je connais bien le jeu. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Donc, les premiers niveaux, je m'en souviens. Après, il y a quelques niveaux, j'ai dû louper. Je me souviens à peu près des ennemis qu'il y a, genre Electro, Shocker, l'homme de sable et tout. Que t'as. Je vais te taper, toi. Tes jours sont comptés, Tisseur. Tac. Je suis plus qu'un raccord. Hop. Appuie sur R1. Ah oui, ça c'est classe ça. Hop, et pour redescendre pareil. Hop là, vous avez vu, c'est assez classe comme mouvement ça. Ça j'aime bien. Mais, vraiment pour l'époque, tous ces mouvements, tout ça, je trouvais ça vraiment super sympa quoi. Après, je vous dis, je pense vous faire aussi l'épisode qui relate le premier film là, Spider-Man the Movie. Ça. Oh là. Oh non, 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 premier game over, sérieux. Ah, j'ai loupé, bon, c'est pas grave. J'ai failli faire un game over, mais non. Heureusement qu'il est agile ce Spider-Man. Bon, j'ai loupé un truc, mais on s'en fiche un peu. Excellent. Où as-tu appris à te servir de ce lanceur de toile, Tisseur? Appuie sur L2 pour faire défiler les cibles. Je peux les ramener en lançant de la toile et en appuyant sur bas. Les frapper, puis les envoyer voler en appuyant ça marche. Sur coup de poing. Donc, bon, là, ce pourcentage, on va s'entraîner. Ouais, je disais, après, je pense vous faire, parce que c'était mon premier jeu PS2 et je l'attendais avec impatience après celui-là. Et en plus, il y a les mêmes voix, ça me fait marrer. Voilà l'adaptation du premier film sur PlayStation 2, qui était mon premier jeu PlayStation 2 d'ailleurs. Donc voilà. Tac, bon là faut s'entraîner. Enfin, je sais pas si on est obligé de le faire. Tac, on tire les toiles, on peut aussi soulever, hein. Forcément il a une force surhumaine. Tac. Donc on s'en fout un peu. Tac. Hop là, on va dégager le chemin. On a encore des trucs à faire là, hein. Quand même, le niveau se finit pas comme ça, même si c'est un niveau assez court. Yep. On va aller par là. Bon, vous allez voir, c'est assez fun. Bon, le début, voilà, il se passe pas grand chose, mais après, vous allez voir, c'est sympa. Donc là, plein d'ennemis, c'est cool. Voilà, un peu de baston. Je me demande qui sont ces types. Merde, il est où? J'ai pas vu. Ah! Chopez-le! Chopez-le! Oh putain! Le travail bien fait. Oh, je sais pas comment j'ai fait là, mais je l'ai fait valdinguer. Ça, j'ai bien kiffé. Hop. Et. Tac, putain, je me suis pris des dégâts un peu bêtement, mais bon. Faut que je me reprenne en, le jeu en main. Hein. Mais bon, ça c'est pas trop dur. Il me semble que la sécurité de cette métropole est entre de bonnes mains. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous rendre visite à l'Académie des Mutants. Tu pourras t'entraîner dans notre salle des dangers. Pas de problème, Fauve, et merci pour ton aide. Yep, bon. Y a rien à récupérer. De toute façon, après, ça se récupère en fil des niveaux. Et les niveaux, on peut les refaire quand on veut. C'est pas très chiant. Donc voilà, on a fini le niveau. On va revenir à l'entraînement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous faire voir quelques trucs. Enfin, montrer un peu les bonus, tout ça. Qu'on regardera régulièrement. Parce que moi, vu que je suis assez fan de Spider-Man. Sélectionner le niveau de difficulté, non, retour. Hop là, donc on fera tout le reste plus tard, les autres niveaux plus tard, donc voilà. Je vais d'abord vous montrer avant qu'on se quitte, alors tout ce qu'on a débloqué. Alors les galeries, voilà, alors galerie de personnages. Plus on rencontre des personnages. Le héros de ce jeu, très intelligent, aimable, mais parfois un peu souple. Voilà, on a chaque personnage qui sont descriptifs, tout ça, c'est assez marrant. Regarde, comme les ennemis, tous les ennemis. Les mercenaires suivent à la lettre les instructions de leur patron, s'ils sont payés, bien sûr. C'est assez marrant, et pour ça, chaque personnage du jeu, vous voyez qu'on en rencontre pas mal. Donc on va les regarder, à chaque fois on regardera comme un peu un petit Pokédex en quelque sorte, et je trouve ça assez sympa. Son pouvoir peut être considéré comme un don ou comme une malédiction. Elle peut absorber les pensées et l'énergie d'autrui par simple contact physique. Ouais. Malicia a prouvé de nombreuses fois qu'elle était un X-Men. Donc ensuite, je vous les fais voir, là il n'y en a pas beaucoup. Espérant un jour que mutants et humains pourraient vivre pacifiquement, le professeur Charles Xavier a formé les X-Men. Ça, c'est la classe. Hommes et femmes au service d'un monde qui les déteste et qui a juré leur perte. Les X-Men s'opposent à la tyrannie des hommes et des mauvais mutants. Eh oui. Voilà, on va regarder le faux pour finir.
le docteur Henry McCoy. Lorsqu'il ne collabore pas avec les meilleurs experts de biogénétique, McCoy fait partie des X-Men, où on le connaît sous le nom du Fauve. Donc après, le professeur Xavier Malicia, je pense qu'on le rencontrera dans l'entraînement, je me souviens plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on gagne aussi voilà les prologues, les machins, pour voir les scènes cinématiques. Alors voilà, il y a une collection de comics, c'est assez intéressant. Photos de Peter, tout ça. Ensuite, c'est en spécial, ouais. Donc on voit, bon là on a qu'un costume, évidemment, il y a plein de costumes à débloquer, avec des améliorations, tout ça, et créer une araignée, c'est-à-dire créer son propre costume, avec chaque pouvoir, mais vu qu'on n'a aucun costume de débloquer, là on peut rien faire pour le moment. Et vous allez voir, ça va être assez intéressant, bon, les cheats, choix du niveau, tout ça. Pour recommencer le niveau et tout. Donc voilà, bon, on verra ça plus tard là pour un premier épisode, c'est bien, c'est une bonne présentation du jeu et je vais le faire en entier parce que j'ai envie. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, cette nouvelle série vous plaira, vous enthousiasmera. Et puis voilà, je veux un max de pouces bleus pour notre ami Spider-Man. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez d'arriver, hein, les kikis. N'hésitez pas, c'est gratuit et c'est bien pour suivre le reste. Et quoi d'autre? Vos commentaires, vos impressions, si vous avez connu ce jeu, si vous avez connu le numéro 1, si vous avez connu le jeu Spider-Man, enfin, ou si vous ne l'avez pas connu, ce que vous en pensez. Bon bref, comme d'hab, je veux vos avis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Gros bisous tout le monde.